Comme d'habitude, on commence. Ok, allons-y. Alors, enregistrement. Attends, je te mets quand même. Jamais je suis ailleurs. Co-animateur. Et vidéo peut-être. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. Ok. Un instant. Ok. Bonjour à tout le monde. On va parler aujourd'hui des rêves de Joseph. Juste pour commencer un peu dans l'histoire, rappeler un peu l'histoire et les descriptions de ses rêves brièvement avant de rentrer dans l'explication dans le cours d'aujourd'hui. Donc, Joseph a des rêves. Il y a bien sûr la problématique entre Joseph et ses frères, Joseph son père et ses frères. En tout cas, voilà les rêves de Joseph. Donc, Joseph a un rêve. Il va voir ses frères en leur disant, écoutez le rêve que j'ai eu. On est tous dans les champs, en train de ramasser, de faire des bottes avec les épis, et ma botte à moi se tient debout, et vos bottes à vous sont autour et se prosternent à ma botte. Donc Yosef raconte ce rêve-là. Une des questions, ce n'est pas nécessairement le point du cours, mais un point important quand même à adresser, qui est pourquoi est-ce que Yosef raconte ce rêve? Sachant que ses frères ne l'apprécient pas, sachant que ses frères ne l'aiment pas, quel intérêt à raconter ses rêves qui, effectivement, cette impression donne cette impression? Et l'explication qui est donnée, bien sûr, c'est qu'on sait que les rêves suivent l'interprétation qu'on leur donne. Donc un rêve, ce n'est pas nécessairement quelque chose de figé, ça dépend de l'interprétation. Et justement, Yosef, sachant que ses frères n'étaient pas contents et ne l'aimaient pas, etc., leur propose le rêve en lui disant, voilà le rêve netto. La manière dont vous allez l'interpréter, c'est comme ça que ça va se passer. Et peut-être qu'il ne s'attendait même pas à ce qu'il explique de cette manière en disant que tu te prends pour le roi, c'est toi qui vas nous contrôler, etc. Peut-être qu'il avait une autre attente. Mais en tout cas, c'était eux qui ont décidé, par leur interprétation, que c'était ce sens du rêve et comme ça que ça allait se réaliser. En tout cas, donc Yosef leur raconte ce rêve. Les frères l'interprètent en disant que c'est un signe que c'est Joseph qui se prend pour le roi, si on peut dire, qui va le contrôler. Tout le monde va se prosterner devant lui. Ensuite, il y a un deuxième rêve qu'il raconte aussi. Il dit que donc c'est le soleil, la lune et les étoiles. Et il y a l'étoile de Joseph. Et tout ça, le soleil, la lune et les autres étoiles se prosternent à Joseph. Cette fois-ci, il n'y a pas d'interprétation donnée par les frères à ce rêve-là. Ce qu'on voit après, c'est que ben, il s'appelle Aviv Elechav. Il a raconté ça à son père et à ses frères. Pas d'interprétation. Son père, pardon, lui a fait des reproches, des remarques, en disant qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as fait? Est-ce que moi et ta mère, on va se prosterner devant toi? Les rêves, donc encore une fois, les frères ne sont pas là. Il n'y a pas d'interprétation des frères. C'est juste le père qui interprète ça en sens on va se prosterner. Et le passouk finit cette histoire en disant Vaïkano Boechav, ses frères ont été jaloux de lui. Va vivre, Shamar et Tadavar, et son père a gardé la chose. Okay. Dans le Farshim, il y a tout un tas de questions, bien sûr, comme vous le savez. Mais encore une fois, juste pour revenir au point principal, le deuxième rêve, il n'y a que Yaakov qui l'explique, dans le sens où c'est Yaakov et sa femme qui vont se prosterner devant Yosef. Il n'y a pas d'interprétation. Yaakov n'explique pas le premier rêve, les frères n'expliquent pas le deuxième rêve. Mais on va se focaliser sur ce dernier, se focaliser sur le dernier passouk. Vaïkano Boechav, ses frères ont été jaloux, et son père a gardé la chose, pas le rêve, la chose. Y a un Midrash Rabba qui nous dit que Yaakov a pris une plume, un stylo pour nous, et qu'il a marqué le jour et l'heure et l'endroit de ce rêve. Donc il a marqué ça, le jour, l'heure et l'endroit. Quel est le sens de cette histoire? Quel est le sens de ces rêves-là? Qu'est-ce que toute cette histoire veut dire? Alors, le Rabbi explique ça de la manière suivante, basée sur un concept bien connu, qui est mentionné par le Ramban, le Nachmanide, entre autres, qui est cette idée de Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Et on va retrouver ce principe plusieurs fois, entre autres, le Ramban s'en sert beaucoup dans toute l'histoire de Bereshit, qui dit que toute l'histoire de Bereshit, c'est quoi?
c'est vraiment Ma'asavot Siman Lebanim, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les parents va se passer avec les enfants. Par exemple, Avraham descend en Égypte, le peuple juif va descendre en Égypte. Tout un tas d'autres histoires qui s'est passées, les histoires qui se sont faites, qui se sont passées, c'est quelque chose qui va se répéter à travers l'histoire. Pour bien comprendre ce concept-là, on a besoin de retourner à la relation père-enfant. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, « Ma'asavot Siman Lebanim », je vais parler peut-être de fils dans notre shiur, mais il n'y a pas de différence entre fils ou fille. C'est juste qu'on parle de banim, donc ce sera l'expression dont je vais me servir. Donc la relation père et enfant, père et fils, comme c'est marqué. Et entre autres, un des endroits dans la chassidut où on voit cette relation expliquée, c'est dans le Tanya, dans le Perek Bet du Tanya, deuxième chapitre du Tanya. Dans le Perek Bet du Tanya, dans le deuxième chapitre du Tanya, on parle de la relation père-enfant. Là, il s'agit de l'âme et de Dieu, la personne et de Dieu. Et cette relation commence avant même la conception de l'enfant. C'est-à-dire que le père qui va donner, si on peut dire, la graine qui va commencer cet enfant-là, a à l'intérieur de lui, contient déjà à l'intérieur de lui, ses enfants futurs. Maintenant, ses enfants futurs, ils sont, si on peut dire, parfaits, ils ne se disputent jamais, ils ont toujours des bonnes notes à l'école, et tout va bien. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on n'existe pas encore. Donc, c'est le concept d'enfant, les enfants théoriques, les enfants futurs, mais il n'y a bien sûr pas une existence d'enfant à l'intérieur du père, en tout cas pas en tant qu'enfant qu'existence. Il n'y a pas une existence indépendante, c'est un concept, c'est une graine, c'est l'ADN, si on peut dire, qui va se transformer en enfant, mais ça, l'enfant n'existe pas encore. Bien sûr, l'étape connue, qu'on connaît, c'est le moment où il y a il y a un enfant qui existe, l'enfant est né, et là il y a un être qui existe, qui se promène, qui marche, qui a ses pensées à lui ou à elle, ses réflexions, ses sentiments, sa vie, etc. Et là, il y a entre autres une autre étape, qui est l'étape entre les deux, l'étape intermédiaire, qui est la grossesse. Donc on a ces trois étapes. À un moment, l'enfant n'existe pas du tout, il n'existe qu'à l'intérieur de son père. Deuxième étape, qui est le moment de la grossesse, où il y a un être, mais qui n'est pas encore indépendant à 100% de ses parents, qui est en train d'être formé. Donc c'est le début, la formation d'un être indépendant avec ses bras, ses pieds, sa tête et ses jambes, etc., mais qui n'existait pas encore à 100% de manière indépendante. Et la troisième étape, c'est une existence indépendante, complètement séparée du père. Dans ces Ma'asavot Siman Lebanim, le Rabbi nous explique que c'est la même chose au niveau de Klal Israël, au niveau de l'histoire. La première étape, c'est l'étape des Avot. L'étape des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, où pour l'instant, il n'y a que les Avot. Les Banim, les enfants, n'existent pas encore. Il n'y a pas encore de Klal Israël, il n'y a pas encore de Bnei Israël, il n'y a pas encore de peuple juif. Le peuple juif est quelque chose qui va une entité qui va venir bien après, principalement autour de la Matan Torah, la sortie d'Égypte, Matan Torah. Et là, on peut parler vraiment d'un peuple juif qui vont être les enfants, même si effectivement, ça commence déjà en Égypte avec tout ce qui va se passer en Égypte, le fait qu'il y a fait Klal Israël, si on peut dire, il y a un groupe quand même, une grande communauté qui va se mettre en place en Égypte. Ça, c'est la dernière étape. L'étape intermédiaire, l'étape de la grossesse, si on peut dire, c'est l'étape des Shvatim, les enfants de Yaakov. C'est à ce moment-là que va se mettre en place, va commencer à se développer une différence, de la même manière que dans le corps d'un bébé, il y a des différences au moment de la grossesse, il y a les bras, les pieds, le nez, les yeux, etc., qui se mettent en place. Donc les différences au niveau de la cellule unique qui était le point de départ de cet enfant, qui va se développer, où maintenant on va voir des caractéristiques différentes. Certaines cellules vont devenir les pieds, certaines cellules vont devenir les mains, certaines cellules vont devenir le cœur, certaines cellules vont devenir l'estomac, etc., le cerveau, tout ça va se mettre en place. On commence à voir un discernement au niveau de la formation de cet enfant. C'est au moment des Shvatim où on commence à mettre ça en place.
Jusqu'à maintenant, il n'y avait que les avot, donc il y a Abraham, puis ensuite Israël, puis ensuite Yaakov. Mais d'une certaine manière, il y a une avodat Hashem, il y a une seule personne qui représente Klal Israël, c'est une personne à la fois. Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a le moment d'Abraham, l'avodat d'Abraham, l'avodat de Yitzhak, l'avodat de Yaakov, mais il n'y a pas 12 manières de servir Dieu. C'est quelque chose qui va venir plus tard, après Klal Israël. Donc de nos jours, par exemple, on a tout un tas de manières de servir Dieu. Que ce soit les différents Shvatim, qu'on regarde ça entre Cohen, Lévi, Israël, qu'on regarde ça entre, je ne sais pas, les Ashkenazim et les Sepharadim et les Sepharades et les Ashkenazes, et les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, et chacun ses coutumes, et chez les Chassidim, il y a les Chassidim de Chabad, et de Breslev, et de Gour, et de Belz, et de Satmar, chacun sa manière de servir Dieu, etc. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque d'Avraham et de Yaakov, il y avait plus ou moins une manière unique de servir Dieu. Qu'était la manière d'Avraham, puis la manière de Yitzhak, puis la manière de Yaakov. Mais c'est quand même un Klal Israël, si on peut dire, une manière de servir Dieu qui est monolithique. Un seul bloc, une seule manière de faire les choses, en tout cas dans chaque génération. Le moment commence à avoir des différences. Et si on va dans la Chassidoute, par exemple, on a des explications, entre autres dans Torah, Ben Moazaken, sur Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda, par exemple, qui nous disent que Reuven, ça vient du mot de Reu, de voir, de vision. La vision, c'est connecté avec l'idée de Avat Hashem, l'amour de Dieu. Ensuite, on a Shimon, qui vient de l'idée de Shama, Shmoa, d'entendre, qui est Shama Hashem, Dieu a entendu ma misère, etc. C'est l'idée de Yira, de crainte de Dieu. Ensuite, on a Lévi, qui est l'idée de se rattacher avec Dieu, à Pamiela Ve'elai. Ensuite, à Yehuda, qui est l'idée de Roda, de Bitoul, à Dieu. Chacun de ces Shvatim, maintenant, apporte une autre pierre à l'édifice et une autre manière de servir Dieu, chacun à sa manière. Et c'est cette période, comme je dis, de transition entre l'enfant qui existe à l'intérieur de ses parents, sans avoir une existence indépendante, une vraie existence définie, l'enfant qui est né, où il y a encore une fois un être séparé et indépendant qui existe, et on a cette période intermédiaire où les choses se mettent en place, mais ne sont pas encore en place à 100%. Ça, c'est l'époque des Shvatim, l'époque des 12 enfants de Yaakov. Et donc, tout ce qui va se passer, et ça commence dans la paracha de Vayeshev, est le début de cette transition entre Masé Avot et Siman Lebanim. On finit d'une certaine manière avec l'époque des Avot et on est en transition vers le Siman Lebanim, vers les enfants. Pas encore à 100%, ça se met en place, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la grossesse, le moment où les choses se mettent en place. Et à partir de la période de Vayeshev, donc la paracha de Vayeshev, c'est le moment donc on a l'avodat des Shvatim qui se met en place. C'est quoi l'avodat des Shvatim? L'avodat de Klal Israël, c'est très simple d'une certaine manière. Ça s'est passé en deux étapes qui vont se répéter plusieurs fois. On le voit entre autres d'une certaine manière dans le Sefer Shoftim, qui nous donne un peu cette approche-là, et on le voit très clairement au niveau de l'histoire de manière plus globale. Mais revenons à Shoftim, par exemple, l'histoire de Shoftim, elle est très simple. Shoftim, je ne parle pas de la paracha, je parle du livre de Shoftim qui vient après Yoshua, donc il n'y a pas un leader nécessairement, il y a Shoftim, qu'est-ce qui se passe? Klal Israël est à un niveau quelconque, il s'écarte de Dieu, il y a des goyim qui viennent les faire souffrir, qui leur causent des problèmes, ils font tchouva, Dieu envoie un tzaddik qui les aide, tout va bien pendant un certain nombre d'années, le tzaddik disparaît, le peuple juif retombe dans la distance avec Hachem, problème encore une fois avec les goyim, on se tourne vers Dieu, délivrance, etc. Donc c'est, pour mettre ça en deux mots, galout et geoula. L'exil, la souffrance avec les non-juifs, et la délivrance. Et tout le livre de Shoftim, c'est cette histoire-là, plus ou moins. Et bien sûr, au niveau de l'histoire, c'est ce qui va se passer. On est soit à un moment de délivrance, on est le peuple juif en Israël, libre, indépendant, soit à un moment de galout, un moment d'exil, contrôlé par les non-juifs. C'est plus ou moins ça, en résumé, l'histoire du peuple juif, d'une certaine perspective. Bien sûr, on peut voir ça d'autres manières, etc., mais c'est plus ou moins cette perspective. La paracha de Vayeshev met cette dynamique en place. À partir de la paracha de Vayeshev, on a le premier juif qui va partir en exil, vendu en esclave, Joseph, qui va ensuite amener le reste du peuple juif, ses frères, sa famille, etc., son père, en Égypte.
qui est donc le galout du peuple juif. Et bien sûr, on sait déjà, puisque c'est la prophétie de Brit Ben Hametarim, que l'idée de tout ça, c'est la Géoula, la délivrance. Puisque l'histoire de la descente de Joseph en Égypte, en tout cas la descente du peuple juif en Égypte, on savait déjà depuis Abraham, depuis Brit Ben Hametarim, l'alliance qui était faite à ce moment-là, puisque c'était le plan de Dieu depuis le départ. Que ta descendance va être esclave dans un pays qui n'est pas le leur, et ensuite, ensuite ils vont sortir avec grande richesse, etc. Donc ce plan-là a toujours existé, cette idée de Galout, puis ensuite Géoula, ça a toujours été le plan de Dieu depuis l'histoire d'Abraham, et c'est à ce moment-là, c'est maintenant que ça se met en place. Avec la descente de Joseph en Égypte, c'est le début de cette histoire du peuple juif qui se met en place. Et ça se met en place donc par les frères, les 12 Shvatim, les 12 attribués encore, les 12 frères, et toute cette histoire se met en place à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça que la paracha de Vayeshev, qui commence d'une certaine manière les Siman Lebanim, l'histoire des enfants, l'histoire des Shvatim, commence avec des rêves, qui ne sont pas juste des rêves, c'est des prophéties. C'est d'ailleurs ce que Yaakov a écrit, c'était une prophétie de ce qui allait se passer. Donc, on a dans cette prophétie l'histoire de la galoute et de la Géoula, dans le sens où Yosef va descendre en Égypte, puis la libération, etc. Tout ça, ça se met en place à ce moment-là. C'est le début de la névoie, c'est le début de l'accomplissement de la névoie de Brit Ben Hametarim. Donc ces rêves-là, c'est la névoie qui se met en place, et c'est le début de Parashat Vayeshev, donc c'est un tournant unique, et pardon, premier tournant, un tournant important, dans l'histoire du peuple juif, à partir de la paracha de Vayeshev, bien sûr ensuite le livre de Shemot et la Géoula, etc., c'est on tourne maintenant dans Siman Lebanim, l'histoire des enfants. Donc c'est ce qui se passe à ce moment-là, la paracha de Vayeshev. Et on a donc ces rêves qui se mettent en place, les rêves de Joseph, et on commence l'avoda du peuple juif à travers la Galoute. Maintenant, si on réfléchit bien, entre Joseph et ses frères, qui va être celui qui va représenter le travail du peuple juif à travers les années d'exil? Quel est l'avoda, quel est le service de Dieu qui va faire en sorte, qui va être celui qu'on va faire à travers les années d'exil, et qui va être celui qui va ensuite, à la fin, amener la Géoula? Je m'explique. Tous les frères avaient une certaine manière de servir Dieu. On trouve ça un peu plus tard, quand Joseph va présenter ses frères au Pharaon, ils vont leur demander ce qu'il fait, ce qu'ils font, et ils vont dire, on est des bergers. Pourquoi est-ce que les Avot et les Shvatim étaient des bergers? On retrouve cette explication plusieurs fois, dans la Chassidoute, dans les Sichot, dans notre texte, parce qu'être berger, c'est quelque chose qui ne prend pas la tête. On peut être assis dans la nature, à prier, à étudier, à réfléchir, à méditer. Et entre-temps, les moutons mangent. On n'a pas besoin de s'impliquer. Ce n'est pas quelque chose qui nous demande beaucoup d'efforts, en tout cas pas d'efforts mentaux. Et donc, ça laisse la tête libre à la relation avec la Torah, à la relation avec Hachem, à l'avodat Hachem. C'est pour ça que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, étaient des bergers. C'est la profession idéale à l'époque pour pouvoir gagner sa vie, mais en même temps, pouvoir rester connecté à Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les frères avaient peur de Yosef d'une certaine manière et qu'ils voulaient se débarrasser de lui, parce que Yosef était différent. On va voir un peu plus tard, une fois que Yosef arrive en Égypte, on va voir exactement de quelle étoffe il est fait, comment est-ce qu'il va vivre sa vie, comment est-ce qu'il va révéler Hachem, puisque c'est ce qu'il va faire, et qu'on va voir dans la paracha, à la fin de la paracha de cette semaine, que les gens voyaient avec Yosef Hachem. Pourquoi? Parce qu'il disait toujours Shem Shamaim Shagor Bepiv, il avait toujours le nom de Dieu. Donc clairement, c'était Yosef Tankid ou Shachem, dans le sens où il révélait Dieu dans toutes les situations dans lesquelles il se trouvait. Mais c'était quoi les situations dans lesquelles il se trouvait? En particulier à partir de la semaine prochaine, dans la paracha de Miketz, Yosef rentre dans la politique, dans le gouvernement. C'est lui qui va gérer la politique de l'Égypte, et certainement de l'Égypte, la politique internationale certainement. Donc l'économie de l'Égypte, ça va être fait par Yosef.
la politique de l'Égypte, c'est par Yosef. Donc Yosef n'est pas une personne qui va être berger dans le sens où il est détaché des affaires du monde pour pouvoir se rester connecté avec Dieu. Yosef, c'est une personne qui va être très impliquée dans le monde et qui va avoir du succès qu'il a eu et qui a su rester connecté à Hachem malgré sa position. Sa position chez Potiphar, sa position en prison et sa position dans le gouvernement de l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose que les frères n'arrivaient pas à comprendre. Non seulement n'arrivaient pas à comprendre, n'arrivaient pas à l'accepter. Comment est-ce qu'on peut être un juif religieux, et pas juste un juif religieux, mais le fils de Yaakov, rester à ce niveau-là, et en même temps être dans les affaires ou dans la politique? Il y a un choix à faire. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas être en même temps en politique et chassid, si on peut dire. C'est l'un ou l'autre. C'est incompatible, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Et quelqu'un qui dirait qu'on peut faire les deux à la fois est un danger pour le judaïsme, en tout cas pour le judaïsme de l'époque. C'est ce que beaucoup pensaient, et pendant longtemps ils avaient raison d'une certaine manière, que si on veut s'impliquer dans les affaires de l'État, si on peut s'impliquer dans la politique, dans l'économie, etc., dans d'autres choses, on a besoin du judaïsme. D'une certaine manière, on n'a pas de choix. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Yosef, bien sûr, leur a montré qu'on pouvait faire les deux à la fois. Mais ils voyaient ça comme un danger. De prétendre, de dire, de s'annoncer, de s'afficher en disant « Je suis homme politique, je suis homme d'affaires, mais je reste juif religieux », c'était quelque chose qui pour eux était une aberration et qui était un danger au judaïsme. Ça va ouvrir la porte à certaines choses qu'on ne veut pas ouvrir. Okay? Dans les termes un peu plus modernes, on a bien sûr la problématique de rentrer dans la société, la problématique d'aller dans les universités, dans les écoles, etc. Yosef a montré qu'on peut faire ça, et les gens disent « Oulala, si Yosef réussit, quelle excuse on aura à nos enfants de dire « Oui, on ne peut pas aller à l'université, parce que l'université, ce n'est pas un bon endroit, etc. » ou « On va rentrer dans le monde non-juif. » Voilà, Yosef a très bien réussi. Donc, dans la tête de ses frères, un niveau de lecture, si on peut dire, Yosef était un danger pour le judaïsme. Mais au-delà de ça, ça c'était juste la première étape, au-delà de ça, et au bout du compte, c'est Yosef qui a raison. Parce que le travail du peuple juif à travers les années d'exil, c'est pas de rester dans notre terre isolée. Dieu a fait en sorte qu'on soit éparpillé à travers le monde, qu'on soit impliqué dans le monde, qu'on soit obligé de travailler, qu'on soit obligé de rencontrer les non-juifs, qu'on soit obligé de travailler dans des gouvernements non-juifs, dans la finance, etc. À travers l'histoire, le peuple juif a toujours été les marchands, si on peut dire, dans le monde, parce qu'on a toujours des contacts un peu partout, etc. Beaucoup sont entrés dans la politique, beaucoup sont entrés dans la finance, beaucoup sont entrés dans d'autres choses. Au bout du compte, c'est l'avoda de Yosef qui va créer ce Dira Bet Hartonim, qui va créer cette habitation pour Dieu ici, sur Terre, au bureau. Pas juste à la Yeshiva, pas juste au Kollel, pas juste dans la Terre Sainte, mais à travers le monde entier. Qui va faire en sorte qu'en Australie, en Europe, en Amérique, en Afrique, on amène le nom de Dieu, on amène cette idée de Dira Bet Hartonim? Ce n'est pas nécessairement le Rosh Yeshiva, mais ce sont en particulier les hommes d'affaires qui vont s'impliquer dans le monde, avoir des contacts dans le monde, et eux vont amener à bout ce désir de Dieu qui est ce Dira Bet Hartonim. Donc c'est bien le peuple juif, et c'est bien le peuple juif allant dans les talons, si on peut dire, en suivant le chemin de Yosef, qui va venir Mashiach. Et ça, quand ses frères ont vu ça, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « Vaikano Boechav ». Ils ont été jaloux de lui. Pas jaloux dans le sens petit du terme. C'était les enfants de Dieu, c'était les tribus, le Shvatim, le Shifteka, c'est marqué, ce sont les tribus de Dieu, les enfants de Yaakov. Rashi nous dit, ça vient de Chazal, Kulam Tzadikim, c'était tous des Tzadikim. Donc ce n'était pas juste une jalousie basse. Il a un manteau de plus que nous, il a une chemise de plus que nous, ou papa le préfère lui et pas aux autres. Quand on parle de jalousie, c'était la jalousie la plus pure qu'on puisse avoir, la plus sublime et spirituelle qu'on puisse avoir. Comme d'ailleurs Chazal nous dit, il y a cette idée de Kinat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie entre les Sofrim, c'est les scribes, c'est entre les sages. Il y a une jalousie entre les sages, une espèce de concurrence entre les sages,
c'est ça qui fait grandir la chokhma. Parce que chacun est jaloux de l'autre, de l'avodat Hashem de l'autre. Donc quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre, il dit « Ah, j'aurais bien voulu être comme lui. Je vais faire des efforts pour être comme lui, comme ce tzaddik, etc. » Donc, ce qui les dérangeait, ce n'était pas ce qui les dérangeait. C'était de quoi ils étaient jaloux, que c'est justement Yosef qui aura le sroot de faire venir Mashiach. Savoda de Yosef, l'avoda de Yosef, c'est grâce à l'avoda de Yosef qu'on pourra faire venir Mashiach. Et c'est de ça qu'ils étaient jaloux. Et pourquoi lui et pas nous, encore une fois, dans un sens noble, quelle chance il a ce Yosef, que ce soit lui qui aura le mérite qu'on suive son chemin, qu'on suive la route qu'il nous aura tracée, et c'est comme ça qu'on va faire venir Mashiach. C'est ce que ça veut dire, Bekano Boecha. On voit le même terme d'ailleurs un peu plus tôt, Vatekane Rachel Bachota, que Rachel était jaloux de sa sœur, et Rachel nous dit là-bas, Bemasim Tovim, dans des bonnes actions. Donc ce n'était pas une jalousie basse, encore une fois, qu'on peut des fois le comprendre. C'est une jalousie très profonde, très sublime, qui est cette idée donc d'être des mains, quelle chance il a. Quelle chance il a que ce sera sa manière à lui qui va être le seul qui va venir vers Mashiach, etc. Donc ça, c'est la kina des frères. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Je disais, va vivre Shamar et Tadavar. Comme je disais tout à l'heure, à partir de Shvatim, il y a 12 manières de servir de Dieu qui vont se mettre en place. Sur les 12 manières de servir Dieu, il y a une qui va nous amener, qui va nous aider à traverser les années d'exil, qui va nous aider à faire venir Mashiach, c'est la celle de Yosef. Et donc les frères ne sont pas contents, si on peut dire. Les frères sont jaloux, etc. Mais Yaakov, il regarde ça comment? Yaakov, c'est la génération d'avant. Yaakov, c'est le père. Pour le père, il n'y a pas de différence. Rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure, on parlait des enfants, des trois étapes, trois stages dans le développement d'un enfant. Il y a l'enfant créé encore chez son père, à l'intérieur du cerveau de son père. Il y a l'enfant dans la période de grossesse, et il y a l'enfant qui est né. L'enfant pendant la période de grossesse, c'est la période des Shvatim. On commence à avoir des différences qui se mettent en place. Puis ensuite, Klal Israël, où il y aura 12 manières de servir Dieu. Il n'y a pas de souci. Quand on a 12 manières de servir Dieu, il peut y avoir des conflits. Malheureusement, on connaît des machloquettes qui puissent avoir. Un des exemples de machloquettes est ce qu'on trouve, l'histoire de Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts pendant la période du Homer. Pourquoi ? Il nous dit « L'onagou kavod zebazé » parce qu'il manquait de respect les uns pour les autres. Ça veut dire quoi qu'il manquait de respect les uns pour les autres ? Le rabbi nous explique, ça veut dire que chacun était tellement passionné dans son Avat Hashem et dans son Avat Israël, puisque c'était les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva enseigne bien une chose, qui nous dit c'est klal gadol, c'est un principe fondamental dans la Torah, qui est Avat Israël, d'aimer son prochain comme soi-même. Comment des gens qui sont décrits comme ses élèves, donc c'est certainement les élèves de Avat Israël, c'est pas que les Rachmé nous disent l'Agmara que c'est pas des élèves de Rabbi Akiva, c'est des gens qui ont mal tourné. Ils sont définis comme les élèves, les disciples de Rabbi Akiva. Donc c'était des gens pour qui Avat Israël, c'était quelque chose de très important. Mais chacun avait sa manière de voir Avat Israël, chacun avait sa manière de voir les choses, et par amour pour l'autre, ils disaient, mais je peux pas laisser l'autre faire des erreurs, je peux pas laisser l'autre se perdre complètement, perdre le nord, faire des choses qui n'ont rien à voir, je vais absolument être obligé de forcer l'autre personne à voir les choses à ma manière, au moins de les faire à ma manière. Donc par amour pour son prochain, les élèves de Rabbi Akiva ont été un peu durs les uns avec les autres, en disant non, il faut faire les choses comme moi, tu te trompes, servir Dieu, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Justement par amour de leur prochain. C'est une machloket. Et une machloket, il peut y avoir même les Shem Shamayim. Machloket entre Hillel et Shammai, c'est machloket le Shem Shammaim, nous dit la Mishnah de Pirkei Avot. Il y a des différences, il peut y avoir des différences dures. Des différences qui ne seront résolues qu'à l'époque de Mashiach, peut-être, comme Hillel et Shammai. Mais on nous dit, le Ouvelu d'Ivre le Kimchem, tout ça c'est la manière de Dieu, que ce que Dieu veut. Ça c'est quand il y a des machloket. Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir des machloket? Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Quand on a 12 tribus, il peut y avoir des conflits qui se passent. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On vient de partir de Yotet Kislev, où il y a la différence entre les chassidim et ceux qui n'étaient pas chassidim. Ceux qui n'étaient pas chassidim avaient une manière de voir les choses, ceux qui sont devenus chassidim avaient une autre manière de voir les choses, et ça peut amener une machloket. Pourquoi? Parce qu'on n'est que humain, et qu'on a chacun sa manière de voir les choses,
on a des fois du mal à imaginer qu'il y ait une autre manière de voir les choses, qu'on puisse voir les choses de manière différente. Donc, cette marque-loquette, si on peut dire, se passe, c'est normal. Même si ce n'est pas désirable, mais c'est normal que ça puisse arriver. Comme d'ailleurs entre les enfants à la maison. Il peut arriver que les enfants entre eux se battent, se disputent. Les enfants avant qu'ils soient nés ne se sont jamais disputés. Les enfants à l'intérieur du cerveau de leur père, il n'y a jamais de dispute. Bien sûr, parce qu'ils n'existent pas. À partir du moment où chacun a son existence, il peut y avoir des disputes. Donc, à partir du niveau des Shvatim, il peut y avoir des disputes à savoir quel est le meilleur moyen de servir Hachem. Et les frères peuvent être jaloux de Joseph en disant « Ah, quelle chance il a ce Joseph, c'est sa manière de faire les choses qui va gagner, qui va nous faire venir Mashiach. » Mais Yaakov, c'est la génération d'avant. C'est l'étape d'avant. C'est l'étape de l'unité. C'est les enfants à l'intérieur du cerveau du père. Et là, il n'y a que unité. Comme je disais tout à l'heure, les enfants dans le cerveau du père, ils ne se disputent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne se disputent pas? Parce que c'est l'unité. Ils ne sont là qu'à l'intérieur du cerveau de leur père. Donc le travail de Yaakov, c'était quoi? Va'aviv, Shamar et Tadavar. Lui, il a gardé ça. Il a fait en sorte que ça tienne. Que même s'il va y avoir différentes manières de servir Dieu, mais que ce qui sera important, ce qui reste important pour ses enfants, c'est l'unité de Dieu et l'unité de notre approche de servir, du service de Dieu. C'est-à-dire que Yaakov, ce que Yaakov voulait faire, en disant que le pasouk nous dit, Yaakov avait vu Shamar et Tadavar, il a gardé ça, il a respecté, il a gardé de faire en sorte que ça reste, que ça tienne la route, si on peut dire, que ça continue. Qu'on ne soit pas éparpillé par les 12 manières de servir Dieu. Mais que chacun puisse comprendre qu'on est là uniquement pour faire le service de Dieu. Et qu'il n'y a pas de bataille entre nous. Que des fois, il peut y avoir de la concurrence entre rabbins, entre synagogues. Et que si le rabbin à côté, il a plus de personnes à son cours que ce rabbin-là, on n'est pas content. Pourquoi est-ce que lui, il a plus de personnes qui viennent m'écouter que moi? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent dans sa synagogue que dans ma synagogue? Ou autre chose comme ça. Yaakov a fait en sorte que tout ça tienne ensemble et que chaque rabbin, chacun des frères en disant « c'est super, moi j'ai 10 personnes qui viennent écouter la Torah, lui il en a 20, en tout ça fait 30 personnes qui écoutent la Torah, c'est super. S'il n'était pas là, il n'y aurait que 10, il n'y aurait que moi avec mes 10 personnes qui sont au shur. Mais grâce à lui, il y a 20 personnes qui vont écouter, Baruch HaShem, on a 30 personnes maintenant qui écoutent la Torah. Parce que ce qui est important, ce n'est pas à moi ou lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Gardez cette unité-là. Il y a une petite anecdote que j'ai entendue une fois et qui m'a beaucoup marqué. Je crois que je l'ai raconté une fois dans un des shiurim. C'est qu'il y avait un mariage et ils allaient faire une drah au mariage. Et il y a un monsieur qui a demandé à quelqu'un d'autre s'il avait un gartel, la ceinture que les chassidim mettent pour la prière. Et le monsieur à qui on a demandé ça enlève son gartel à lui pour le donner à l'autre. Il leur dit « Non, 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 je ne veux pas le prendre le vôtre, gardez-le, si au cas où vous en avez un autre, etc. » Il a dit « Non, regarde, c'est très simple. Il y a toi et il y a moi. On a un gartel pour deux personnes. Que ce soit moi qui prie avec le gartel, que ce soit toi qui prie avec le gartel, par rapport à Dieu, c'est la même chose. Il y en a un sur deux qui ont un gartel. Quelle différence, toi ou moi? Mais maintenant, au-delà de ça, quand je te donne à toi le gartel, je vais faire avec Israël, je partage avec toi. » Alors Hachem, il est plus content, il est encore plus heureux. Donc c'est encore mieux que je l'enlève et que je le donne, plutôt que je le garde. Parce que je ne regarde pas ma prière à moi. Moi, comment est-ce que je vais prier sans gartel? Ce n'est pas important. Soit toi ou moi, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un juif qui ait un gartel. Soit toi ou moi, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Alors, autant que ce soit toi. Comme ça, en plus, il y a l'idée d'Avat Israël. Ça, c'est quelqu'un, quand il a réagi comme ça, c'est quelqu'un qui avait justement cette vision d'unité. On est tous là pour servir Dieu. Toi, tu fais ça à ta manière, moi, je fais ça à ma manière. Et tout ça, tout le monde ensemble, on a chacun son petit morceau, et ensemble, on réunit le puzzle, ensemble, on accomplit la volonté de Dieu. Et ça, c'était le travail de Yaakov, de garder tout ça en place, de garder cette unité entre les frères, ou entre les 12 manières de servir Dieu. Donc, Vavir Shama et Tadavar, ça veut dire que quand Yaakov a entendu l'histoire de Joseph, l'histoire des rêves, il a dit, voilà, je comprends ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est 12 manières de servir Dieu qui se mettent en place. C'est les banim, c'est les enfants. Klal Israël commence à se former, comme l'enfant pendant la période de grossesse où l'enfant commence à se former. Mais pour que l'enfant se forme bien comme il faut en bonne santé, il faut pas que chaque cellule parte dans un sens différent. Il faut respecter l'unité d'un corps.
pour que tous puissent marcher bien en unisson. Donc c'est important qu'on reste unis autour de l'idée qu'on est en train de faire, qui est la volonté de Dieu. Donc Yaakov, son travail, son effort, c'était de faire en sorte que tout reste de manière cohésive, on reste tous ensemble autour d'Avodat Hashem. Et oui, il y en a qui vont devenir les Lévim, il y en a qui vont devenir les rois, il y en a qui vont faire ci, il y en a qui vont faire ça. On a chacun sa avoda. Tant que on est tous bien concentrés sur le fait que c'est Avodat Hashem. Il ne s'agit pas de moi et de mon accomplissement, qui va gagner, qui ne va pas gagner. Mais l'essentiel, c'est Avodat Hashem. Ce qui fait que quand ils regardaient la différence entre Yaakov et ses frères, que les frères étaient jaloux de Yosef d'une certaine manière, et que chacun disait « Ah, quelle chance il a que ce soit ça, Avodat Hashem », Yaakov aurait peut-être préféré qu'ils voient ça comme disant « On est tous là, ça va être Yosef qui va nous amener vers la Mashiach, on fait ce qu'on peut pour essayer de l'aider. » Ça n'a pas nécessairement été leur réaction. Donc Yaakov a dit « Attention, il faut qu'on reste bien focalisé, bien concentré sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est Avodat Hashem. Ce n'est pas mon accomplissement à moi, mon Gan Eden, ma victoire personnelle, c'est ma manière de faire les choses qui est passée en avant, qui a gagné. Non, il n'y a pas de manière différente de faire les choses. On est tous là ensemble pour faire la volonté de Dieu. Donc ça, c'est Vavé Shavar et Tadabra. Et quand le Midrash nous dit que Yaakov a pris la plume, donc il a marqué l'heure, le jour, l'heure et le moment, c'était quoi? Le jour, c'est une unité unique. L'heure, la même chose. Et le moment, et l'endroit, pardon, pas l'endroit, le moment, l'endroit, c'est temps et espace. L'unité de temps et l'unité d'espace. Parce que tout ce qui se passe, tout au travail d'Avodat Hashem, est lié bien sûr à temps et espace. Donc, c'est la fondation du monde, le fondement du monde, le temps et espace. Donc, Yaakov a voulu créer cette unité dans l'espace-temps, de faire en sorte que le peuple juif soit toujours uni dans cette idée d'Avodat Hashem. Qu'on ne s'éparpille pas jamais, qu'on ne s'éparpille jamais. Qu'on ne passe jamais dans une direction différente qui devienne une direction de conflit. Bien sûr qu'on a chacun sa direction à faire. On a chacun ses coutumes, on a chacun sa manière de travailler. Il y en a qui sont rabbins, il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont collèles. On a chacun sa manière de servir Dieu. Et on a besoin d'avoir tout. Ce n'est pas qu'il y a un qui est plus que l'autre. Parce que s'il y a un monde où il n'y a pas de gens qui vont étudier les Shiva toute la journée, qui va donner la direction au clan Israël? De l'autre côté, si on a des gens qui, on a que des gens qui étudient la yeshiva toute la journée, il n'y a pas des gens qui vont aller au travail, qui va avoir un impact sur le monde autour de nous. Donc on a besoin d'avoir tout le monde. Chacun a sa avoda. Et c'est uniquement tous ensemble qu'on va pouvoir faire le travail. Donc, ça c'était le travail de Yaakov. De créer cette unité en disant, vous êtes tous mes enfants. N'oublions pas ça. On est là tous pour un seul but qui est l'idée de Avodat Hashem. Donc ça, c'est l'histoire des rêves de Joseph, si on peut dire, qui est donc cette histoire de la Galoute, l'histoire du peuple juif, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, la Galoute, c'est le moment où on a le plus grandi, puisque la majeure partie de la Torah, la grande majeure partie de la Torah, s'est passée pendant la Galoute. D'abord, Matan Torah, c'était à l'extérieur d'Israël, en Égypte, enfin pas en Égypte, dans le désert du Sinaï. Ensuite, la Gemara et tous les Sfarim qui ont suivi, ça s'est fait à l'extérieur d'Israël, le Talmud Bavli, ça s'est fait à l'extérieur d'Israël, etc. Donc, une grande partie de tout ce qu'on a, c'est créé pendant la période de Galoute. Sur les Rishonim, les Acharonim, etc. Donc, la grande croissance s'est faite pendant cette période-là. Et donc, toute l'histoire du peuple juif, qui est l'histoire, donc, encore une fois, de la Galoute et de la Géoula, se met en place en ce moment. L'histoire de rêve de Joseph, c'est cette neuf voies qui se met en place. La raison pour laquelle il y avait ce conflit entre Yosef et ses frères était quelle est la Avodat Hashem qui va faire venir Mashiach. Et les frères ont réalisé, compris que c'est Yosef qui va faire avancer les choses. Et Yaakov essaie de tenir les choses en place. Fait en sorte qu'on est tous bien concentrés autour de l'unité des choses qui est, on est là pour servir Dieu. Il ne s'agit pas de ma manière, ta manière. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu, qu'on crée ce dire à Betartané. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on a cette idée de Maaseh Avot Siman Lebanim. C'est quoi? Et c'est quelque chose qui va se répéter dans l'histoire. Entre autres, avec les avot, pardon, les avot de la chassidut. Qu'est-ce que j'entends par là? Les avot de la chassidut sont le Baal Shem Tov, bien sûr, le Magid, et ensuite nous avons la chassidut Chabad,
qui sont nos enseignements du Baal Shem Tov, loin de Mourazaken, qui sont aussi comme les Avot. D'ailleurs, on nous dit que la même manière que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu sur Terre en même temps ensemble 15 ans, la même chose s'est passée avec le Baal Shem Tov, le Magid de Mezritch et le Admor HaZaken. Ils ont vécu ensemble ici sur Terre 15 ans aussi. Mais au-delà de ça, on trouve dans l'idée du Baal Shem Tov et du Magid de Mezritch cette progression, qui sont les Avot. En particulier, donc, on dit que le Baal Shem Tov et le Magid représentent le niveau de Keter. Et Keter, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle Atik Yomin, qui est détaché. Et ensuite, il y a le niveau de Ari Chanpin. Ari Chanpin, c'est identifié avec la volonté, le Ratson. Atik Yomin, c'est identifié avec le Tanoug, le plaisir. Donc, qui est plus détaché, qui est plus profond, puisqu'on veut ce qui nous fait plaisir, d'une certaine manière, dans un sens profond. Et ensuite, il y a le Admor HaZaken. À partir de Admor HaZaken, les choses ont commencé à rentrer dans les détails. De la même manière qu'il y avait la Avot, ensuite le Klal Israël et avant les Shvatim, on retrouve la même chose. Il y a eu le Baal Shem Tov et le Magid. À ce moment-là, il n'y a que la Chassidut qu'on appelle Chassidut Klalit. Il n'y a pas de différence entre les différents groupes chassidiques. Il y a une unité. Tout le monde est autour du Baal Shem Tov. Puis ensuite, on est tous autour du Magid. Il y a des élèves du Baal Shem Tov, mais la Chassidut telle qu'on la connaît aujourd'hui sont tous les élèves du Magid de Mezritch. On étudie d'autres Sfarim, Tolot Yaakov Yosef, qui vient de l'époque du Baal Shem Tov, mais encore une fois, principalement, plus que principalement, la Chassidut d'aujourd'hui, quel que soit le groupe chassidé dont on en parle, ce sont des élèves du Magid de Mezritch. Donc jusqu'au Magid de Mezritch, il n'y a pas de différence. C'est comme les Avot, Avraham, Tzak, Yaakov, il n'y a pas de différence. Le Magid de Mezritch, d'une certaine manière, c'est comme Yaakov. Ça veut dire quoi que c'est comme Yaakov? C'est à partir de lui que les différences vont se mettre en place. Comme Yaakov a donné naissance aux 12 Shvatim, le Magid de Mezritch a donné naissance, si on peut dire, mais sa génération d'après, aux différents groupes, aux différentes opinions des différentes branches du mouvement chassidique. Okay, des branches que vous connaissez depuis cette époque-là. Encore une fois, on en a parlé souvent dans Shurim, alors bien sûr Chabad. Vous avez le Rabbi Elimelech de Lizensk, avec tous les élèves que lui a eu ensuite, Rabbi Levitzak de Baditchov, la dynastie de Tchernobyl, ensuite qui est jusqu'à la Skver, Tchernobyl, qui commence aussi, qui avait aussi des élèves du Magid de Mezritch, etc. Donc on a, les différences se mettent en place à ce niveau-là. C'est comme ça, c'est à ce moment-là que les choses commencent. Le chassidim en Israël. En tout cas, on a ces différences-là qui se mettent en place à partir de la génération du Magid. Donc, Magid, c'est un peu comme Yaakov. C'est encore l'unité. Et après le Magid, on commence à développer tout ça. Ce n'est pas un problème qu'on développe. Enfin, des gens me disent, monsieur le Ramas, ce serait bien qu'on fasse tous la même chose, on a tous les mêmes coutumes, un seul livre de prière pour tout le monde et un seul minhag pour tout le monde, et c'est comme ça. Pourquoi avoir différents minagim? Pourquoi est-ce que les Algériens font comme ça, et les Tunisiens font comme ça, et les Tunisiens et les Djerbiens, et les gens de les Marocains, et les gens de Gaza, et les gens de Tanger, chacun ses minagim, et après les Ashkenaz, c'est la même chose. On doit avoir un minag unique. Ce n'est pas nécessairement l'approche du peuple juif, il y a la place pour tout le monde. Et d'une certaine manière, ça donne une richesse, pas d'une certaine manière, ça amène une richesse à plein niveau de toute la manière dont on fait les choses. Et qu'il y a des coutumes différentes qui sont basées sur des opinions différentes dans la Gemara ou autre, qui fait que chaque communauté a décidé de faire les choses d'une telle et telle et telle manière. Donc, ça amène une richesse, au contraire. Et l'unité ou l'uniformité, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on cherche. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on reste tous concentrés et unis autour de la même chose, qu'on soit tous la volonté de Dieu, qu'on ne se batte pas autour des minagim, parce que les minagim, c'est différentes manières de faire la volonté de Dieu. Oui, pas la dispute. Vous connaissez peut-être la blague qui concerne Shavuot, pour quelle est la coutume de lire la Torah, est-ce qu'on est assis ou debout? Et la blague nous dit qu'il y avait une fois le rabbin d'une certaine communauté qui était absent pendant Shavuot, il était malheureusement à l'hôpital, pauvre, et il n'a pas pu être là. Et arrive le moment de la lecture de la Torah, Shavuot, on lit les 10 commandements, ben, il y a une moitié de la choule qui se lève pour la lecture des 10 commandements. Il y a des coutumes de se lever pour les 10 commandements.
Et l'autre moitié qui dit, mais non, absolument pas, on n'a pas le droit de se lever. Il y a des coutumes, effectivement, nous disent, on n'est pas censé se lever pendant la lecture des commandements, on n'est pas censé donner de l'honneur à une partie de la Torah plus qu'une autre, parce que toute la Torah, c'est la révélation de Dieu. Il n'y a pas un passou qui est mieux que l'autre. Donc, on n'a pas de raison de se lever. Et il y a toute une dispute qui se met en place dans la synagogue. Ils décident qu'après la fête de Shavuot, on va envoyer une délégation au rabbin à l'hôpital pour lui demander quelle est la coutume de la synagogue. Alors, ils arrivent, donc il y a des représentants des deux groupes qui se mettent en place à la synagogue, qui se mettent en place pour arriver donc, voir le rabbin. Et le premier groupe qui dit, monsieur le rabbin, comment ça va, etc. Voilà, on voudrait vous poser une question par rapport à Shavuot, c'est l'acte de la dite commandement. Est-ce que c'est bien vrai que la coutume dans notre synagogue, c'est qu'on se lève pour la lecture des dix commandements? Le rabbin, qui n'arrive pas vraiment à parler, dit non, ce n'est pas la coutume. Ah, l'autre groupe est tout content. Et donc, monsieur le rabbin, la coutume est bien de rester assis pendant la lecture des dix commandements. Le rabbin qui dit non, ce n'est pas la coutume. Il y a deux groupes qui commencent à se disputer devant le rabbin dans sa chambre d'hôpital. Tout le monde se dispute. Et le rabbin dit, voilà, ça c'est notre coutume. On se dispute sur les minhagim. Alors c'est une blague qui malheureusement des fois a un certain sens de réalité, mais effectivement c'est la coutume. C'est parfois la coutume qu'on se dispute sur les minhagim, mais il n'y a pas de raison. Tant qu'on veut vraiment tout faire pour la volonté d'eux, il n'y a pas de souci. Pour revenir donc au Maguid et Mesretch, la génération d'après, à partir du Maguid, on a ces branches qui se mettent en place. Comme Yaakov qui a eu ses 12 enfants, et chacun a sa manière de servir Dieu. Le travail du Maguid, dit le Rabbi, est Vavir Shamar et Tadava, de faire en sorte que tous ces différents groupes chassidiques, ce n'est pas juste des groupes, c'est des philosophies, c'est des approches par rapport aux enseignements de la chassidut, que tous ces groupes-là restent bien centrés sur une seule chose. On est là pour servir Dieu. Il y en a qui le font comme ci, il y en a qui le font comme ça, il y en a. Mais n'oublions pas que l'idée derrière tout ça, c'est le service de Dieu. Et donc, il faut avoir un certain respect et une certaine tolérance, mais ce n'est peut-être pas le bon mot, pour les autres manières de faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'enseigner les uns aux autres, ça veut dire qu'on ne peut pas se battre les uns avec les autres. Donc, ça, c'est l'idée du Maguid, si on peut dire le travail, l'effort du Maguid, qui est, va vivre chez moi, ta devoir de faire en sorte que tout le mouvement chassidique soit unifié autour d'une seule chose qui est Avodat Hashem. Et à l'intérieur de ça, chacun a sa Avodat Hashem. Ça, chacun a sa philosophie, chacun a sa manière de voir les choses. Et il y a une progression depuis le Baal Shem Tov du Maguid, et ensuite le Admor HaZaken. Je disais tout à l'heure que le Maguid de Baal Shem Tov, ça représente le niveau de Keter. Keter, c'est la couronne. La couronne, c'est au-dessus de la tête. Le Admor HaZaken représente Chochma, qu'on traduit des fois comme la sagesse, mais ce n'est pas une traduction qui est nécessairement la bonne, mais en tout cas, ça commence dans la tête. La couronne, c'est au-dessus de la tête. Chokhmah, c'est dans la tête. Quelle est la différence? C'est que la couronne, ça parle du subconscient. On n'est pas encore dans le monde de l'intellect, de la réflexion. À partir de Admor HaZaken, quand il va commencer la Chassidut Chabad, on rentre dans un monde de la connaissance et de la réflexion. Dans le sens, on est dans le conscient. On peut absorber les choses. La Chassidut Klalit, tu parles Shem Tov, l'enseignement du Maguid et de ses élèves, etc., c'est quelque chose qui inspire, c'est quelque chose qui nous touche, qui touche l'âme, mais qui n'est pas nécessairement quelque chose dans lequel on est conscient, on peut réfléchir, travailler, analyser. Le travail de Admor HaZaken, c'était justement de créer des outils pour nous permettre de réfléchir à tout ça, d'avoir des mots pour réfléchir, des mots pour décrire cette inspiration, des mots pour pouvoir récupérer l'inspiration, parce qu'une fois que l'inspiration disparaît, qu'est-ce qu'on fait? Donc de créer et mettre en place une méthode qui fait en sorte qu'on puisse garder, recréer l'inspiration, pour qu'on puisse savoir comment avancer, comment servir Dieu, etc. Donc, il y a une transition. Et avec la même chose, quand on arrive dans la réflexion, on peut avoir chacun sa manière de voir les choses. Donc on a besoin d'être bien concentré sur le fait que tout ça, ça va d'attaché. Donc quelle est la leçon de tout ça, de toute cette idée-là? C'est qu'il y a de la place pour tout le monde, mais on a besoin d'avoir une chose très importante en tête, qu'on est là pour servir Dieu, chacun à sa manière, et de la manière qui nous parle, de la manière de notre neshama, etc., et que ce qui est important, c'est qu'on réfléchisse bien à servir Dieu. Qu'il n'y ait pas de concurrence entre un et l'autre, ma synagogue et ta synagogue,
mon rabbin, ton rabbin, etc. Mais qu'on soit bien, au contraire, tous dans l'idée d'Avodat Hashem, et c'est ça qui est important. Bezrat Hashem, on rentre dans la fête de Hanouka, c'est la fête des Lumières. On ne fait pas comme Beit Shammai et Beit Hillel à la fois, on ne fait que comme Beit Hillel, Al-Khal comme Beit Hillel. C'est d'ailleurs, il y a une allusion à ça dans le mot de Hanouka. Hanouka, c'est les initiales du mot de Chet Nerot, Chet et Nun. Le Vav, c'est Ve, Halacha, que Beit Hillel. C'est dans le mot de Hanouka. Donc on fait l'Halacha comme Beit Hillel. Ça ne veut pas dire qu'on a effacé Beit Shammai des Sfarim, au contraire. Mais pour l'instant, l'Halacha, on ne peut faire qu'une seule chose, donc l'Halacha comme Beit Hillel. Donc on choisit et on suit son Rav, si on peut dire. Mais n'oublions pas qu'on est tous là pour Avodat Hashem, et ça c'est qui est important. Et qu'on a donc cette Avodat Hashem, qu'on est bien, on a bien cette approche-là, si on peut dire qu'on est tous là pour servir Dieu, Avodat Hashem, qu'on est l'unité du peuple juif, qu'on soit tous retournés, réunis en Israël avec la venue du Mashiach très très bientôt, et qu'on puisse allumer la menorah dans le Beit HaMikdash, comme il faut, comme la mitzvah que Dieu nous a donnée. Voilà, merci beaucoup. S'il y a des questions. Non, ok, pas de questions. Alors, merci beaucoup. D'accord, mais tu m'en laisses sans questions parce que tu réponds à tout. Ok. Bon, Hachem. Et ben, joyeux Hanouka à tout le monde et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci, Razak. Bon.